À Saint-Brieuc, les habitants des quartiers prioritaires ont créé leur télévision sur Internet. Ils montrent leur lieu de vie à travers leur regard. Le but est de mettre en avant les actions positives et d'inspirer les jeunes. Rencontre avec deux habitants de ces quartiers. Gilles et Marie-Thérèse habitent dans des quartiers prioritaires de Saint-Brieuc. Ils ont décidé de passer derrière la caméra pour raconter leur quotidien. Avec une dizaine d'autres personnes, ils alimentent la chaîne YouTube Saint-Brieuc TV. On parle toujours que du négatif, de faits divers, tout ça. Donc il y a autre chose, il y a une autre vie derrière tout ça, qu'on ne montre jamais d'ailleurs. En un an d'existence, ils ont couvert les journées citoyennes à Saint-Brieuc, présenté le fonctionnement d'un garage solidaire et s'apprêtent à dévoiler une série de portraits des habitants de ces quartiers qu'ils surnomment les super-héros du quotidien. En France, de manière générale, dans les quartiers populaires, il y avait un foisonnement au niveau des exemples produits. Et à un moment, ça s'est arrêté. Du coup, les jeunes et les habitants n'ont plus d'exemples. Les gens, par exemple, qui se lèvent à 5h du matin, ils ne communiquent pas forcément sur le fait qu'ils se lèvent à 5h du matin et on ne valorise pas le fait qu'ils se lèvent à 5h du matin. Peut-être qu'à un moment, il y en a un autre qui va se dire, celui qui se lève à midi, va se dire, ouais, mais lui, il se lève à 5h. Peut-être que je pourrais essayer aussi de me lever à 5h. Donc c'est le nivellement par le haut, pas par le bas. Pour les aider à filmer et monter les vidéos, ils sont encadrés bénévolement par des professionnels. Les sujets abordent toujours volontairement l'aspect positif des quartiers. Il y a un petit sous-titre qu'on oublie souvent sur Saint-Brieuc TV, c'est « Inventons notre regard ». Inventons notre regard, ça veut tout dire en fait. Ça veut dire, voilà, essayons de peut-être raconter une histoire qu'on n'entend pas ou peu. Les membres de Saint-Brieuc TV lancent aujourd'hui un appel aux habitants de ces quartiers pour venir les rejoindre et proposer des idées de vidéos à réaliser.